Yo les gars, c'est l'oncle Vaca, vous allez bien? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer des luminaires. Bon là on a une LED qui est EOL. Là, je vais vous montrer des luminaires d'une salle. Parce que aujourd'hui je suis dans un séjour avec des copains de classe depuis un moment. Ça fait depuis lundi que je suis là. Puis là on va repartir demain, du coup je vais vous montrer vite ces luminaires là. Du coup c'est parti, 3, 2, 1. Voilà, puis dedans c'est des tubes Mazda Fluor, voilà, Prestiflux. Au pire si je vous montre celle-là on voit mieux, ici. Ah non mais pas, c'est un Philips là. Voilà ici, voilà. Le tube Mazda, donc voilà, des petits luminaires comme ça sympa, avec des vieux interrupteurs là ici, là. Donc bon là celui-là a été remplacé. Voilà. Du coup, des hublots ici. Je vais vous montrer vite fait ici. Normalement, j'ai pas le droit d'être là, mais bon, j'ai demandé la permission. Là, on a un hublot. Là, c'est des ampoules LED. Là, ici, on a un autre hublot. Là, ici, on a des vieux interrupteurs. Du coup, on a un hublot aussi. Et là, une light. Donc, voilà. Là, ici. On a un hublot ici, avec lampe halogène. Et ici, on a une LED. Elle est ouf là. Là, c'est une LED. Donc voilà. Hop. Hop. Et ici, on a deux luminaires. On a ici un tube qui est mort. Et d'ailleurs. C'est quoi la marque? Bon, c'est pixelisé par contre, là on verra pas, mais c'est un tube Sylvania qui est mort. Et ici, on a un tube Philips Master là, juste là. Et voilà, je sais pas c'est quoi la marque. Ici, on a un hublot ici, juste là. Puis après, il y a un autre hublot à l'étage. Voilà, juste là. Voilà. Donc au pire je vais vous montrer que le bas parce que je sais plus, enfin, et après les autres ils vont dire ouais pourquoi tu filmes et tout ça, donc enfin ils vont pas dire ça mais bon je préfère filmer que le bas, puis comme ça vous avez vu un petit peu les luminaires qu'il y a ici. Du coup c'est encore en séjour, c'est un vieux bâtiment, donc bah voilà, au pire sinon je vais essayer de vous faire une deuxième partie. Bon voilà, donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.